Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans ce 31e épisode de Zelda The Minish Cap. La dernière fois, nous avions souffert pour une dernière fois les figures Nintendo. On a fait du farm et on a obtenu tout ce qu'on pouvait maintenant. Maintenant, on n'en parle plus. Bienvenue dans le château des ténèbres. C'est parti. Donc, lorsque nous avions obtenu l'épée de 4, nous avions vu que Vati a transformé ce château en château des ténèbres. On était sorti par la porte de gauche. Maintenant, on peut aller au milieu et à droite, il faut une clé. Donc c'est parti, là, on revient dans le château des ténèbres, ça ne va pas rigoler. C'est parti, on va voir ce que ça va donner. Hop. Voilà, on les bat très facilement. On se sert de nos techniques apprises, hein, bien sûr. Ah, je peux pas récupérer. Merde, c'est pas grave. Hop là. Je vais récupérer quand même les rubis que je peux récupérer. Un rubis rouge, c'est très très bien. Et écoutez-moi cette musique. Ah là là, elle est classe aussi cette musique. Tu devrais essayer de renvoyer les boules de cette statue avec ton épée. Eh ben écoute, c'est ce que je comptais faire. Hop là. Et voilà. Ça a marché. Allez, on peut continuer du coup. Alors attention. Attention aux mains. Putain, c'est traître, hein. C'est traître leur déplacement. Il faut quand même pas mal de coups pour les tuer. Hein. Alors, attendez, je vais regarder ma carte. Ok. Donc moi, je suis au rez-de-chaussée. Hein. Allez. Bon, on continue. Ah, j'aime bien ces énigmes. Cette énigme est reprise de oracle, des oracles en fait. Et voilà. De Oracle of Ages, ça c'est sûr. Vous l'avez oh, une fée. Vous l'avez compris, hein. Il suffit de terminer les dalles. Enfin, il faut terminer les dalles, quoi. Faut les mettre tous en rouge. Sans passer par une fois, en passant par tous les chemins une seule fois, voilà. Alors là, ah, je me suis fait avoir. Donc là, il faut y aller au bon moment. Merde! Putain, je vais trop vite. Désolé. Ok. Ok, là, mais non! Oh putain. Ok, je pense que j'ai compris comment faire. Voilà, 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 voilà. Et voilà! C'est pas compliqué, hein. Et vous avez trouvé une petite clé, elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'une serrure. Eh oui. Bah écoutez, tant mieux, hein. Et on se souvient qu'il fallait revenir ici et qu'il fallait aller à droite. Donc, allons-y, hein, tranquillement. Et on va par là. Donc à gauche, c'est pas la peine. Lui, on va le tuer. Ah, il m'a eu, saleté. Voilà. On l'a pas tué, mais bon. Ah, putain, ils sont chiants, hein, à changer de place à chaque fois. Ok, c'est bon, on les a eus. Tout va bien. Alors, retomber à gauche, ça ne sert à rien. Ok, la suite du donjon, ouais, c'est bien par là, hein. Alors là, il faut faire la même chose.
Mais c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus subtil. Regardez. En fait, il faut se mettre comme ça. Donc là, on a réussi, hein. C'était pas facile. Ce passage n'est pas facile, hein. Mais on a réussi. Alors là, hop, eux, on les tue comme ça, carrément. On perd pas de temps. Et là, on va se dire, mais on est bloqué ici. Rappelez-vous d'un endroit, à ce même sous-sol ici, tout à gauche, on avait vu la salle du milieu et dans la salle du milieu, on pouvait mettre une bombe. Eh bien, cette bombe, il faut la mettre exactement ici, il me semble. Ouais, c'était un peu plus bas. Voilà. Et du coup, ouais. Oh putain, ça c'est traître. Et ça, on pouvait le voir à partir de ce rétrécisseur en fait, qu'on pouvait mettre une bombe ici. Allez, on continue. Hop là! On a eu chaud. Allez, on continue. J'augmente un tout petit peu la luminosité. Voilà. Et là, on arrive dans le gros du donjon bientôt. Ouais, on va bientôt arriver dans le gros du donjon, c'est-à-dire le premier étage. Là, on a tout fait dans les sous-sols. Mis à part quelques ça et. Ouais. Dans les sous-sols, on a presque tout fait. Ouais. Là, on continue. What? Et attention, et lui, on peut pas le faire tomber, hein. Mais il va se battre assez facilement. Hop. Voilà. Vous avez vu ça? Qu'on pourrait bouger. On va voir si on peut le bouger. Et oui, on peut le bouger. Alors, on va continuer un petit peu par là. Ah, et il y a la boussole ici. Eh, c'est quand même très classe, hein, ces statues. Ok, on a la boussole. C'est très bien. On a pas raté de coffre. Et en fait, il n'y a que, entre guillemets, 4 coffres dans ce donjon. Allez, continuons. Alors là, ouais, on est dans les sous-sols. Ok. Ok, tout va bien. En fait, là où on a combattu le mini-boss rouge, le Dark Knut, c'est là où siégeait le roi en fait. D'ailleurs, bon, je vous coupe un tout petit peu, mais vous remarquez que j'ai que 50 bombes. Et que non, 99. Pourtant, il y a la possibilité, mais pas dans la version européenne, malheureusement. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, donc voilà. Ok, allez, on continue. Bon, pour l'instant, ça va, hein. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Ok. Ok, on arrive ici. On arrive ici. Ouais. On peut utiliser le boomerang. Voilà. Bon. Après, ça sert pas à grand-chose, mais bon. Et là, on sort d'ici et on est. On peut dire à l'extérieur du château. Ouais, c'est comme si c'était l'extérieur du château. Alors, en fait, on est en hauteur, quoi. On est en hauteur. Voilà, allez, du coup on continue. Alors, on peut descendre ici. Pour le tuer tout simplement. Et voilà. Donc là on va reprendre la tornade ici. Et il va falloir faire plutôt attention ici, je pense. Ok, ça s'est bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Et on atterrit ici. Ok. Allez hop. Ah là là, les lasers font le travail.
Donc on peut aller ici, hein. Alors là, ça se complexifie. Hop, on y va tout de suite. On y va tout de suite. Mais on attend ici. Et là, on peut y retourner. Et voilà. Bon, par contre, ça bouche l'entrée en bas, hein. Vous l'aurez remarqué. Oh, attention à eux, qui peuvent nous prendre par surprise. On récupère leur rubis, hein. Très important, sait-on jamais. On peut venir ici, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, on peut annuler leur tir, mais ça sert pas à grand chose. Ok, on s'est pas fait avoir. En fait, je pense qu'il faut être bien en hauteur pour pas se faire avoir. Et ça ira. On peut aller à la tornade suivante direct. Ok. Ok, on arrive ici. Alors lui, il va nous faire un accueil un peu... Ok, ça va. En fait, ça va. Ok. On peut aller ici. Oula, aïe. Hop là, voilà, il est mort. Alors là, on peut tirer une flèche ici, hein, pour aller ici. Mais je veux voir d'abord ce qu'il y a ici. Quelque chose me dit qu'il faut d'abord aller ici, je pense. Ok, et après aller au milieu. Mais est-ce qu'on peut y aller? J'en ai pas l'impression. Ah, j'en ai pas... Ouais, on peut pas y aller, hein. On peut pas y aller. C'est pas grave. Bon, du coup, on va tirer... On va utiliser notre boomerang. Voilà. D'ailleurs, on va faire ça pour étourdir. Voilà. Comme ça, ça... C'est plus... On se facilite un peu la vie. Ah! Ok. Bon, ils sont étourdis, mais pas longtemps, hein, vous l'aurez remarqué. Et là... Hop là. On récupère quelques flèches. On est à 99 flèches. C'est très bien. Et là... ok, on arrive ici. Donc, on va faire... Ceci. En fait, on a même pas besoin d'utiliser ces dalles-là. On peut le faire juste avec Link. C'est à savoir, hein. C'est à savoir, ça, bien sûr. Ok, regardez la cape de roc. Oh, attention à eux. Attention à eux, attention à eux. Et là, la porte du boss, carrément, hein. Allez, tire. Ah, ils veulent pas tirer, hein. Je vais tirer une flèche pour voir. Ah, ça passe pas, hein. Ça ne passe pas. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, l'a tué. 50 rubis qui font plaisir. Wow, pouf. Ça, c'est pas passé loin, hein. Ok, parfait. Donc ça permet de revenir au début du donjon. On peut aller à droite. On peut aller à droite. On va aller à droite. Ça me semble pas mal. Ouais, ça me semble pas mal. Après, je sais pas si... Ah non, bah je peux pas y aller en fait. Ok. Enfin, je peux pas y aller, mais je pourrais passer par le sud, hein. À un moment, je pourrais passer par le sud. Donc, le but, ça va être d'obtenir la clé du boss. Ok. C'est fermé ici aussi. Ok. Donc là... Ah, je m'en rappelle. Donc, ce qu'il faut faire... C'est ceci... Et je crois que... Est-ce que ça se referme pas à un moment? Attendez. Ah merde, attendez. J'ai pas réussi à... Attendez. Ah, attendez, comment je fais là déjà? Ah
Ah, je peux pas faire... Oh ! Je galère, tiens. Je galère. C'est étonnant, ça. Ah, et je peux pas la faire venir avec moi, hein. Je ne peux pas la faire venir avec moi. Ouais, non, mais tu me donnes des bombes, je veux bien. Ok. Parce que si je pose une bombe sur cette truc, bah ça tombe. Ah, attendez là. Et je peux... Ah. Bah alors là, c'est étonnant que je bloque. Merde. Ah, attendez, peut-être poser une bombe... J'ai peut-être trouvé... Ok, il fallait poser une bombe comme ça, apparemment. Bon, j'ai des doutes, mais... Je sais même pas s'il fallait faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. On continue, hein, dans tous les cas. Ok, je regarde la carte, ce que ça donne, ok. Là... On peut récupérer plein de fées grâce à... Bah grâce à ça, quoi. On peut aller en bas. Mais, ouais. En fait, en allant ici, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça ramène là. Donc, le seul chemin, c'est de revenir en arrière et d'aller en haut. Bah, let's go, du coup. Let's go. Ok. Waouh! Combat de boss carrément là, ça rigole pas. Il est très rapide. C'est le meilleur Dark Knight. On l'avait pas encore vu lui. Et ça, ça peut surprendre. Hein. Mais on va le battre facilement. Allez. Et voilà, il est battu. Et là, il y a un événement qui se passe. Plusieurs événements même. Plein de Dark Knight qui arrive en renfort. Et oui. Allez, du coup on peut aller ici. Et vous voyez qu'ici, il faut plusieurs clés. Et oui. Il faut plusieurs clés pour pouvoir pousser cette dalle. Moi j'appelle ça une dalle. Et du coup, on va pouvoir aller aux quatre coins du château. Au nord-ouest, au nord-est, au sud-ouest et au sud-est. Voilà. Donc on va commencer par le nord-ouest. Mais à chaque fois, c'est gardé par un Dark Knight. Hein. Alors attention à leurs attaques. Moi, j'y vais toujours comme ça. Hein. Bon, on lui a... Ah, putain! Laisse-moi attaquer. Ok, c'est bon. Tout va bien. On peut aller en haut, du coup. Parce qu'avant, on pouvait pas y aller. Ok. Oh, il y a des mains qui tombent. Deux mains, même. Pouh, là là. Ok, attention. Elle va retomber, hein. Ok. Ok, c'est bon. Tout va bien. Wouh! Hop. Ah ouais, ok, je m'en rappelle de ça, il faut être très rapide. Il faut être très rapide. Heureusement que grâce au papillon du bonheur, on peut décocher nos flèches plus rapidement, et oui. Et voilà. Link, c'est un archer de longue date, hein. Faut le savoir. Donc, ici... Alors, ici, attendez. Ouais, on y va comme ça. Hein. On se laisse tomber. Attention aux momies, hein, on les évite. Comme ça, on peut faire ceci pour ouvrir la porte et on peut aller ici. On peut aller ici.
Mais quel intérêt? Attendez, quel intérêt là? Ah, attendez. Voilà, c'est pour aller ici, voilà. Faut pas que je confonde. Et on obtient une petite clé qui servira à pousser la grosse dalle. Donc on a encore 3 clés à obtenir. On va passer comme ça du coup. Et revenons au sud-ouest. Ah! Et ouais, mine de rien, on s'avance. On s'avance, enfin on approche gentiment de la fin du jeu. On a 2 Dark Nuts. Bon, eux, ils sont... C'est pas les plus puissants, hein. Voilà, en 2-3 coups d'épée tornade, ils sont battus. Même 2 coups, j'ai l'impression. Vous avez vu ça? Je suis trop fort, hein. Oh, haha, ici. Attention. Donc là... Alors, attention. On va faire comme ça. Ok, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est bon. On est bien. Allez, du premier coup, ça fait plaisir. Ah ouais, ici. Bon, il faut battre. Ah! Aïe! Vous êtes horrible! Ok, c'est bon. Eh non! Tu mourras pas. Enfin, vous mourrez pas. Voilà. Hop. Oh, il bug lui! Regarde, vous avez vu ça? Il buguait. Non, tu m'auras pas. Hop là! Je rigole pas moi. Donc ici, y'a rien. On va aller ici. Ok. Bon, c'est pour obtenir. La petite clé. Je vais voir quand même ce qu'il y a en bas. Regardons. Oh, ça a l'air... Ah, ça c'est très bien. C'est très très bien. Allez, on continue. On revient... On revient là où on était. Et on va aller cette fois-ci. On s'en fout. Ouais, et on revient... On va aller au sud-est maintenant. Au sud-est. Et oui, encore un Dark Nut. Voilà. Tout va bien, hein. Tout va bien, franchement, tout va bien. Franchement, ce jeu, il est facile. Allons. Alors, attendez. Est-ce que je peux pas arnaquer le jeu? Ah bah si, je peux arnaquer le jeu, voilà. Enfin, après, au bout d'un moment, voilà quoi, hein. Faut pas s'étonner. Ouh, attention. Voilà, c'est bon. Pourquoi ils ont mis ces blocs comme ça? J'ai du mal à comprendre. On peut aller là, du coup, hein. Je ne sais pas à quoi ça servait d'aller en bas. Bon, enfin, ce château des ténèbres, je le trouve quand même assez simple. Enfin, en termes de combat, c'est pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est en termes d'énigmes. C'est trop simple. C'est souvent ce qui a été reproché à ce Zelda. Il est bien, mais un petit peu trop court en ligne droite et trop simple. Mais sinon, il fourmille de bonnes idées et de bonnes quêtes annexes. C'est ça le truc. C'est dommage, hein, qu'il soit pas plus consistant en termes de... Bah, de difficulté. De difficulté, ouais, ouais. Ok, du coup, on peut repasser là. Ouais, je sais pas comment il fallait faire. Peut-être comme ça, hein, mais... Ok. On peut aller ici, maintenant, et... Allez, hop. Attention. Hop là. Allez, on va les avoir. Et voilà. Bah, tout va bien. Tout va bien. Oh, il fait un peu noir ici. Ok. Petite lanterne. Donc, hop là. En fait, là, il faut aller assez vite. Voilà, il faut vite tout éclairer, en fait.
Hop. Alors ici. Ah, c'est encore les Ginyu là. Je crois qu'ils s'appellent comme... Ok, bon. C'est bien passé. Et là, bah, je pense qu'on va pouvoir obtenir le la dernière petite clé. Et nous avons déjà fini, eh bien, le château des ténèbres. C'était rapide. Ok. Enfin, en vrai, j'aurais pu faire Vati, mais j'ai envie de le faire dans un épisode prochain. Donc là, on va retourner ici. Hop là. Et après, on reprendra les téléporteurs. Voilà. On croirait que je connais le jeu par cœur, hein, mais non. Hein. Je fais tout ça de manière logique, en fait, c'est tout. Je le connais pas par cœur, en vérité. Mais je le connais très bien. Ça, c'est vrai. Et voilà. On a obtenu la grande clé. On retourne au téléporteur bleu pour retourner au téléporteur rouge. Et on s'arrête ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, il faudra arrêter Vati. Allez, on se retrouve pour l'épisode 32. J'espère qu'il vous aura plu. C'était Linkos. Bye tout le monde.